Bon ben on est reparti, il est 9h30, mardi, génois, grande voile et moteur, voilà. Je fais pas mal ça parce que je le pratique pas mal, il n'y a pas d'air, enfin, il y a un peu d'air, il n'y a pas de vent. On annonce du nord-est aujourd'hui, un peu plus fort, mais en mettant le moteur à 1200 tours minute, voilà. Et avec le génois et la grande voile par un tout petit peu de vent, et bien on marche à 4 nœuds 7. Là, il y a 9 nœuds de vent apparent, mais... Voilà. Et bien on est bien parti. La journée commence. Nous, on va par là-bas, à l'est. Et ici, c'est toujours aussi joli. Bon, ben finalement, j'ai coupé le moteur, on marche bien. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et quand je vous dis qu'on marche bien et qu'il n'y a pas beaucoup de vent, ça se voit. Mais on voit aussi de très beaux bateaux qui, eux, marchent au moteur. Celui-là est très joli. Et moi, je suis bien réglé, j'ai pas de pilote. Et ça marche bien. Voilà, de mon point de vue, un des plus beaux traits de côte ici, de Brégançon jusqu'à la Londe. C'est magnifique. C'est là que nous étions mouillés il y a quelques jours, mi-juin, à Léoube, dont on voit le château là-haut. Ici, c'est vraiment magnifique. J'adore. Stéphane Zweig, Enid Blyton ou Virginia Woolf? C'est Zweig.
va aller se mettre au mouillage à Cavalière sur la commune du Lavandou, parce que là il y a un bon flux d'est, ça souffle, 25 nœuds, on le voit un peu derrière moi. Et ce qu'il y a de très très appréciable, c'est qu'on voit Tabasco qui taille sa route, mais il n'y a pas de pilote. Depuis ce matin, bien réglé, même dans 25 nœuds de vent et une mer assez formée, eh bien, il tient son cap tout seul. C'est magnifique. Alors là, il va y avoir le bruit du vent. Attention, on montre de haut. Voilà, là, il n'y a pas de pilote. Là. Il gère tout seul. On le voit, le pilote est en stand-by. Là. Et là, il marche à 5 nœuds 3. Face à une mer formée. C'est le bonheur, j'ai même pas besoin de barrer au pré par 25 nœuds. Et bien on arrive sur la plage de Cavalière. L'abri va être bon. C'est tant mieux. Bon, c'est bien sympathique quand ça s'arrête. Mais c'est bien aussi quand ça s'arrête. Et comme on n'est pas plus pressé que ça, il n'y a pas mieux de. Hein? Allez-y. C'est tenu au mouille. Mais ce soir je vais me faire des spaghettis à l'ail et aux échalotes, tout simplement. Voilà. Alors là, je vais pleurer là. Hein. J'épluche l'ail. Et l'ail. Ça fait pleurer. Bon, alors il a fait de l'est costaud ben, toute l'après-midi. Moi, je suis là depuis 14 heures. Là, évidemment, c'est en train de tomber. C'est le charme des navigations de juin. Sauf de temps en temps, hein, par régime d'ouest. C'est ce qu'on annonce demain. Le vent tombe la nuit. Bon, mais là, on était bien abrités. Rien à dire. Donc, ben demain, je fasse attention de ne pas me couper parce que c'est couteau en céramique. C'est formidable. Très très attention. Ouais, donc je disais, donc demain il y a de l'ouest qui devrait se lever. Donc l'ouest, eh ben, ça va nous pousser et ça va être parfait. Donc eh ben, on va se laisser pousser jusqu'à ben, maximum ou le Taïa ou Saint-Tropez. Mais Saint-Tropez, Ramatuelle, je pense. Où on est super bien abrité de l'ouest. Il y a encore des gens qui se baignent. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Ouais, jusqu'à Ramatuelle, où on est super bien abrité de l'ouest. Voilà, ça va être top. Comment je fais là? Je vais mettre ça dans l'assiette, mais ça renverse le reste. Je réserve, comme il dit. Réserve. Non, réserver, c'est peut-être après la cuisson. Est-ce que ça veut pas dire qu'elle changeait de personnalité en fonction des familles, des gens qu'elle avait en bagage? Je pense que le nombre est meilleur pour travailler avec Viviane Mayer. Alors là, ben je compacte. Je compacte quoi? Ben une bouteille de Badoit parce que. Le problème ben, sur le bateau,
c'est que la poubelle n'est pas immense. Et bien voilà, la bouteille de Badoin, ce qu'elle est devenue. Bon, le cul de la bouteille, ça va, je ne coupe pas en morceaux. Mais voilà, tous les morceaux de la bouteille, au moins, et bien dans la poubelle, ça tient moins de place. Je compacte, c'est comme ça qu'on dit, compacter, composte, non pas composte, je compacte. Voilà, bon ben là j'ai mis les spaghettis, ma petite préparation, ail, échalote, sel et poivre roux, ben, c'est là, c'est magnifique. Et là il y a les spaghettis qui cuisent doucement à l'eau. Alors voyons voir ce que ça donne. Oh que c'est bon, avec un peu de fromage par-dessus. Voilà, c'est... J'adore ça, un peu des échalotes, de l'ail, du sel, un peu de sucre roux, de l'huile d'olive évidemment, beaucoup d'huile d'olive. Et des pâtes cuites dans le wok là, à l'eau. Voilà, et tout ça, au mouillage, ça se calme. Avec Barbara Carlotti, Cosmic Fantasy, l'émission sur France Inter, avec de la très bonne musique. Une bonne soirée.